Monsieur le Président, je vais vous le dire ici officiellement. Nous avons lu le rapport de Monsieur le Premier ministre. Rapport dans lequel vous engagez le Parlement en disant que l'Assemblée est d'accord pour une nouvelle constitution. Je le dis ici et clairement, au nom de tous les députés de mon parlementaire, nous n'avons pas été associés. Deuxièmement, vous ne pouvez pas rencontrer le Premier ministre avec 12 personnes, 12 députés, et engager le Parlement guinéen. Donc, ce que vous avez dit au Premier ministre n'engage que vous et les députés qui étaient avec nous, ça ne nous engage pas du tout. Ça nous engage. Non. Ça ne nous engage pas du tout. C'est la majorité, monsieur. Nous avons mal engagé. Je pense que c'est une œuvre. C'est pas les députés, c'est les députés. On n'a pas un sujet à débat. Et non, on a notre jour. On a notre jour. Cette sorte de partie. Monsieur, l'adoption du chronogramme. Voilà. Quand nous avons convoqué officiellement la réunion du bureau élargi à l'ensemble des. Monsieur le président, monsieur, vous parlez de ça, vous parlez de tout, vous parlez de l'adoption, monsieur. Ça ici, en plénière, devant tout le monde pour qu'on donne une position. Ils se sont vus en catimini, comme ils ont l'habitude de faire des complots dans ce pays-là, pour dire au Premier ministre que le Parlement.
Parlement est d'accord. Le Parlement n'est pas d'accord. Le Parlement, ce n'est pas Cory. Le Parlement, ce n'est pas les membres du bureau. Le Parlement, c'est l'ensemble des 113 députés du Parlement guinéen. Il faut que Kassir comprenne que ce qu'il a écrit n'engage que Cory et les militants de l'EPJ. Merci. Dans la salle, comment on appelle des axes. Au cours de la réunion, il y avait deux sujets qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Par rapport à l'organisation des élections législatives et l'opportunité d'une nouvelle constitution. Et par rapport à ces deux questions majeures qui intéressent la vie de la nation, nous en tant que représentants du peuple, franchement nous sommes prononcés au nom de l'Assemblée nationale. À ce que je cherche, le bureau de l'Assemblée nationale est suffisamment représentatif de l'ensemble des députés. Donc par rapport à ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. Et nous avons, ce que nous avons dit ce jour-là, nous avons engagé, c'était au nom de l'ensemble des députés. S'ils ont boycotté, je pense qu'on peut en tirer ses conséquences. En tout cas, nous sommes exprimés au nom de l'ensemble des députés. Et ça, on a dit ce jour-là, et ce que nous pensions. Donc vous reconnaissez que vous êtes exprimé au nom de l'ensemble des députés. Mais bien sûr, et nous avons le mandat de nous exprimer au nom de l'ensemble des députés en tant que membre du bureau de l'Assemblée nationale. Et le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas été constitué et ce jour-là. Nous sommes là, ça fait combien d'années? Ça nous fait, je pense que 6 ans maintenant. Et vous êtes membre de la commission sur la nouvelle constitution. Mon frère, que voulez-vous que je dise? J'ai dit, je pense que le rapport du Premier ministre se trouve dans les réseaux sociaux. Vous pouvez aller. Sauf que ce jour-là, on était là quand le Premier ministre a rencontré le bureau. Je vous remercie. Sauf qu'il n'y avait pas de représentants de l'opposition lors de cette rencontre.